En Grèce, une femme élue pour la première fois à la présidence de la République. Ekaterini Sakellaropoulou, actuelle présidente du Conseil d'État, a été élue par le Parlement dès le premier tour du scrutin. Informée de son élection, la future chef de l'État qui prêtera serment le 13 mars a déclaré « J'aspire à une société qui respecte les droits en vertu de la Constitution, de la Charte européenne des droits fondamentaux et de la Convention européenne des droits de l'homme ». Sakellaropoulou a été élue par 261 députés sur 300 sur proposition du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Aujourd'hui, une fenêtre sur l'avenir s'est ouverte. Et alors que notre pays entre dans la troisième décennie du 21e siècle avec plus d'optimisme, la nouvelle présidente de la République est une personne qui symbolise exactement cette transition vers une nouvelle ère. La Grèce avance vers une nouvelle ère d'égalité, s'est de son côté réjouie dans un tweet la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ekaterini Sakellaropoulou prendra ses fonctions le 13 mars, date à laquelle le mandat du président sortant Prokopis Pavlopoulos prend fin. En choisissant cette juriste estimée, le gouvernement veut souligner le rôle de la justice comme fondement de la démocratie, et aussi et surtout dans les relations internationales et dans ses défis nationaux, souligner que la Grèce répondra toujours selon la loi.